C'est encore extrêmement difficile d'admettre qu'il puisse y avoir un écart salarial de 10 % dans notre société au Québec entre les hommes et les femmes. Je ne comprends pas ce qui peut justifier une chose comme celle-là. Si les hommes étaient défavorisés de 10 %, ça serait épouvantable, selon moi. On entendrait tellement parler, ça serait une injustice, mais elle est criante. Alors que dans la vie, il y a autant d'hommes que de femmes sur la planète. Comment ça se fait qu'on accepte volontiers 10 % d'écart quand c'est défavorable pour les femmes et favorable pour les hommes, et que si c'était le contraire, on en ferait probablement un cheval de bataille, ce que nous, les femmes, on a du mal à faire avec 10 % d'écart. Dommage. Je pense que la mobilisation des femmes est très, très importante. Il faut continuer de marteler le même message. Nous ne sommes pas arrivés à la parité entre les hommes et les femmes. Si on est capable de sensibiliser plus d'hommes, je ferais le pari qu'on pourrait y arriver plus vite et mieux.